Bonjour, bonjour, bonjour les Fourri TV lovers. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer d'innover un peu sur la manière dont on vous donne souvent les informations. Bon, on a remarqué que plusieurs d'entre vous ne lisent quasiment jamais les emails, donc on se dit que ce n'est peut-être pas trop la peine qu'on insiste sur les emails, parce que lorsqu'on en envoie, on reçoit toujours après des messages, soit par WhatsApp, soit par Messenger, Facebook, et on se rend compte que la grande, grande majorité des messages qu'on reçoit, ça vient souvent, c'est souvent des questions qu'on a plus ou moins répondu par mail et on a envoyé à tout le monde. Mais voilà, donc on reçoit donc beaucoup. On va essayer d'innover un peu avec ce nouveau modèle de communication. Donc ce sera des vidéos assez courtes, un peu moins de 10 minutes, on va dire 5 minutes dans l'idéal, qui vont vous expliquer un peu l'avancée de notre projet. Les films en cours, les séries en cours, qu'est-ce qu'il en est, les modalités, etc., etc. Donc, on va souvent appeler ça Flash Info. Donc, ça, c'est le premier numéro. Vous nous direz un peu ce que vous en pensez sur la manière. Est-ce que vous accueillez ça bien? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous allez mieux suivre par rapport aux emails? Voilà, on est vraiment là pour construire la chose avec vous. Donc, le premier Flash Info, c'est le Flash Info du jour, donc le 22 juillet 2019. Et remarquez bien qu'à chaque page, il y aura systématiquement le mot diaspora en bas, Afrique ou alors les deux. C'est comme ça une manière de dire que est-ce que l'information concerne la diaspora, est-ce qu'elle concerne l'Afrique, donc le Cameroun en particulier, ou alors est-ce qu'elle concerne tout le monde, c'est-à-dire diaspora et Cameroun. Bien, commençons d'abord par la diffusion de votre série phare actuelle, Échec et Mat sur YouTube notamment. Donc, comme vous savez, on diffuse deux épisodes tous les vendredis 20h. Mais depuis déjà deux vendredis, donc le vendredi qui vient de passer et le vendredi de la semaine encore dernière, on a eu quelques soucis, ce qui a fait qu'on a dû décaler la diffusion donc, de ces deux épisodes-là. Ça, c'est simplement dû à quelques petits problèmes qu'on a en ce moment avec notre chaîne YouTube. Ce sont notamment des problèmes de copyright qui nous embêtent un peu sur quelques bits, sur quelques sons qui sont revendiqués, on va dire comme ça. Donc, ça fait que ça rallonge un peu les délais de traitement chez nous. Donc là, en l'occurrence, le vendredi qui vient de passer, là, le vendredi 19, on devait diffuser épisode 12, épisode 13. On a finalement pu diffuser ça que le dimanche à 10h. Donc c'est un peu ce qu'on met ici dans l'encadré ici. Mais ne vous inquiétez pas, on travaille vraiment activement pour faire en sorte que on puisse continuer à diffuser tous les vendredis 20h et qu'il n'y ait plus de ce genre de couac. Donc voilà, on préfère quand même être honnête avec vous. Ce sont les choses qui peuvent arriver et c'est la raison pour laquelle on vous explique un peu pourquoi c'est arrivé. Alors, ceux qui sont pressés, qui ne veulent pas trop attendre les deux épisodes sur YouTube de la saison 1 gratuitement, ils peuvent toujours contribuer en achetant donc l'intégralité de la saison 1 sur notre site internet www.voury.tv ou directement sur notre application mobile Voury TV qui se trouve dans le Play Store. L'achat de l'intégralité de cette saison-là coûte seulement 5 euros. Donc vraiment, on met là que ça ne va pas vous tuer. C'est ce qu'on pense vraiment. Si vous pensez vraiment que voilà, vous souhaitez encourager encore plus ces efforts qu'on fait, n'hésitez vraiment pas à aller massivement acheter donc cette saison 1-là au lieu d'attendre les deux épisodes de tous les vendredis sur YouTube. Ça concerne la diaspora. Pour le Cameroun, on a pensé aux poches du Cameroun qui ne sont pas forcément aussi garnies que la diaspora. C'est pour ça qu'on propose donc une application qui n'est disponible qu'au Cameroun et qui propose donc un abonnement de 500 francs seulement par mois. Et en payant ça permet justement de regarder l'intégralité aussi de la saison 1. Donc ça concerne le Cameroun. Demain, on va essayer de déployer également ça dans d'autres pays en Afrique. Alors, beaucoup de personnes nous ont posé la question, la saison 2, c'est comment? Nous, on a acheté la saison 1 sur le site, ou alors sur l'application mobile, et on a vu totalement, on voudrait la suite. C'est très bien. Alors, l'information qu'on va donc vous donner, c'est que ça va commencer dès le 1er août. Ça va commencer dès le 1er août. Alors, pour ça, par contre, ce ne sera pas du tout une diffusion sur YouTube. Donc, il faudra. Si vous avez été content de ce qu'on a fait, il faudra donc venir sur le site internet ou l'application mobile pour payer pour regarder la suite. Moi, je vois déjà des gens qui vont commencer à crier ici, oh, comme ça, comme ça, comme ça, pourquoi on a de le goût sur la saison 1 et après maintenant, mais
Sachez que le cinéma n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qui est gratuit. Donc, et sachez aussi que on est très très content en fait que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. Mais de vous à nous, croyez-nous, ce n'est pas rentable en fait. Ce n'est pas rentable ce qu'on fait sur YouTube. Donc, on est obligé d'une manière ou d'une autre de demander à tous ceux qui aiment ce qu'on fait, de contribuer un minimum en plus de ce qu'ils font déjà sur YouTube en venant regarder nos vidéos. Croyez-moi, si vous voulez, demandez un peu autour de vous, lancez-vous si vous voulez, et vous verrez en fait que ce n'est pas du tout rentable. Donc, ne criez plus sur nous lorsqu'on vous dit en fait qu'on a notre site internet sur lequel on vend les produits. C'est tout à fait normal. Regardez Netflix. Voilà, on ne crie pas sur Netflix, mais pourquoi est-ce qu'on va crier sur Vrai TV? Vraiment, ce n'est pas à tout le monde qu'on demande de faire l'effort. Ceux qui se sentent concernés, ils viennent faire l'effort. Ceux qui ne se sentent pas concernés, vous attendez aussi quand le jour où on sera content, on va diffuser sur YouTube gratuitement, vous allez regarder. Mais ceux qui veulent vraiment faire l'effort, venez dessus. Donc la saison 2 sera diffusée, comme j'ai dit, sur notre plateforme Vrai TV, que ce soit le site internet ou l'application mobile, et que ce soit l'application au Cameroun en diaspora, ce sera disponible. Donc, n'hésitez pas, dès le 1er août, à venir nous encourager. Sachez pour ceux qui vivent donc au Cameroun, et on va dire de manière générale en Afrique, qu'on a mis à jour notre dernière version de notre application mobile, Vuri TV 237. C'est une nouvelle interface, elle est vraiment beaucoup plus belle que la précédente. C'est possible en numéro 2 de télécharger les vidéos, donc les films ou les séries ou les épisodes de séries, et de les regarder sans connexion Internet. Ça, on l'a fait parce que les gens se plaignaient beaucoup que, voilà, la cause des connexions Internet au pays, imaginons qu'on regarde un épisode, après on va encore regarder, on va donc payer deux fois la connexion. Or, ayant téléchargé, comme chez nos concurrents, hein, ayant téléchargé la vidéo, ça nous permet de regarder autant de fois qu'on veut sans forcément devoir encore payer les mégas. Donc, on a mis en place dans cette fonctionnalité de téléchargement-là, donc c'est maintenant possible. Et naturellement, c'est aussi possible de payer par Orange Money et par MTN Mobile Money. Voilà par exemple quelques images de la version en téléchargement. Donc, il y a un nouveau menu téléchargement qu'on a fait apparaître ici. Il y a sur chaque épisode de chaque série, il y a une sorte de flèche rouge, comme vous voyez, de flèche descendante, autant pour moi, qui montre en fait que c'est possible de télécharger en fait les vidéos. Et pour les films, c'est une flèche qui est rouge, comme celle-ci à droite, et qui montre aussi que c'est possible de télécharger en fait la vidéo et ensuite d'aller dans le menu téléchargement et de visionner ça. Alors, l'une des dernières informations, c'est la série Miel Amer que vous attendez aussi tous. Elle va commencer le 1er août 2018, quasiment au même moment que Échecs et Maths saison 2. Et de la même manière, il faudra également la payer ou alors prendre un abonnement pour pouvoir avoir accès à la série en question. Enfin, information de poids. Pour ceux qui sont notamment des entrepreneurs, si vous avez un site internet, si vous avez un commerce, si vous avez, je sais pas, n'importe quel type de projet que vous avez et que vous souhaitez avoir de la visibilité sur votre projet ou votre produit, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a monté une régie publicitaire qui permet justement de donner de la visibilité aux entrepreneurs. C'est ce qu'on appelle la régie. Vous voyez, il y a déjà pas mal d'entrepreneurs qui nous ont contactés pour leur projet. Le dernier en date, c'est Look Air. Look Air Cameroun, c'est une sorte de salon qui fait pédicure, manicure, cheveux, coiffure, etc., soins de visage. Ils sont à Douala. Je ne vais pas donner trop d'informations pour l'instant parce que ils sont encore, on va dire, en chantier d'un gros truc qui vont sortir à quoi. Mais le moment venu, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Voilà, et puis bon, j'ai dit que c'était pour terminer. On va vraiment, vraiment terminer ici. Voilà, on a laissé les contacts. Si vous avez besoin de nous contacter, que ce soit par WhatsApp ou par l'application Dicalo, ou alors par Facebook, n'hésitez pas. Donc, tous nos contacts sont là. Ou alors par mail, j'allais l'oublier. Donc, tous nos contacts sont là. Ne dites plus que vous nous avez cherché, que vous n'avez pas trouvé. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.